Les gars, aujourd'hui on va ouvrir notre propre magasin épicerie, ok? Attends, Natacha, c'est toi? Ah non, c'est moi, pardon, excuse-moi, j'ai confondu Natacha. C'est notre épicerie, c'est ça? C'est à nous, c'est ça? C'est notre épicerie! Oh, ça a l'air trop stylé! Attends, mais c'est... Oh, j'ai pas de jambes, mec! Mais... Je suis un faux retour? Non, c'est... Non, c'est normal. Ok, t'as des jambes, toi, pourtant, ça a l'air de... Okay, j'avais ça, pas de budget. Ouais, j'avais plus de budget pour mes jambes, du coup, j'ai tout mis dans l'épicerie, tu vois. Waouh! Ça, c'est notre poubelle perso, d'accord? Ok! Oh, stylé! Et aujourd'hui, on va essayer d'avoir le magasin, le supermarché le plus stylé possible avec un maximum de thunes. Alors là, déjà, on vend du vide, hein, donc très bien. Il est 8h43, on a zéro client. C'est quoi ça? Magasin okay. Fermé. Ah, c'est pour l'ouvrir ou le fermer? Mais quoi là, à l'extérieur? Oh, tu peux avoir des employés, ça roule. Tu peux poser des étagères. Oh, tu peux commander de la lessive! Waouh! Et de la farine aussi! D'accord, ok. Quoi, je vais acheter des gruaux et tout le reste. Oh, ça y est, je crois que j'ai commandé le premier truc. Ça devrait arriver, Natacha. Oh oui! Il est avec sa musique. Bonjour! Non? Wouah! Tu m'es pas écrasé, Natacha, attention! Waouh! Oh, mais va ouais, il a tracé de fou, mec! Attends, tu crois qu'il va arriver de l'autre côté? Oui, c'est ça! Ok. Bonjour! Oh, Natacha, vous comprenez? Oh, tu t'es mangé la porte! Waouh! J'ai du sel! Ok, ah, donc là, c'est génial là! Je rentre dans le camion, t'imagines? Tu peux pas les empiler? Non, tu peux pas, ok. Vas-y, alors, faut qu'on. Allez, faut bosser là, mec! Hein, parce ok, que, c'est bon! La thune va passer toute seule. Hein. Donc, je tiens à te dire, j'ai dépensé 50$ pour ça. Oh, tu peux les mettre en rayon! Ouais, mais ouais! C'est trop ouais. Stylé! Je vais prendre du sel. Vas-y! Bon, c'est bon pour les chips. Attends, c'est pas des frites? Hein, des. Oh là là! C'est... Alors, ça, c'est des chips, mec! Le packaging, je sais pas ce qu'ils ont, ils ont foutu en commercial. Non mais c'est potatoes flavor. Ça donne pas quoi envie. Mais si mais si c'est des paquets genre Pringles. Ouais mais c'est ça tu vois bah, on est d'accord que c'est moche. La couleur est particulière ouais, ouais c'est voilà, ça c'est le bleu version... ça évoque pas trop l'apéro Ah ouais bah c'est version moisie hein clairement moi je vois ça en magasin je prends pas. Ah j'ai jeté les cartons fallait peut-être pas non. Alors par contre t'as fait des choix particuliers en guise de magasin quoi. On vend de la farine. Ouais. Des céréales à la pomme, des chips et du savon en poudre. Ok. Bah, en bah fait, écoute, je suis allé au champ à côté là, et j'ai pris tout ce que les gens voulaient pas manger, tu sais. Oula. Ah ça y est, j'ai ouvert. Ah nice. Il ouais, y a des gens qui arrivent. Pourquoi on est aussi excentré de la ville? Ah peut-être parce que notre magasin pue hein, totalement. Voilà, regardez, la ville est méga loin. Bon, bonjour et bienvenue dans notre super magasin. Voilà, c'est ici que vous obtiendrez les meilleures céréales au crumeau. Avec des chips moisis, voilà, faites-vous plaisir. Bonjour c'est madame, bienvenue dans notre magasin. Attention monsieur. Oh oh bah, voilà, elle se fait rouler dessus. Attends, il faut que je m'occupe de scanner moi. Bonjour, je me suis assis. Alors, ça vient acheter quoi? Wow ah, ça va? Wow, il prend tout ça? Ok, je scanne. La tunas. Oh la CB, excuse-moi le riche. Oh, 17$. Ok, donc 17. Si je passe sur 170, ça passe? Non, dommage. Je pensais que j'allais pouvoir gratter un peu. Ok, 17,45. Je scanne. Oh là là, j'ai enfin un vrai métier, quoi. Super. Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, elle me donne de la thune. Ah, pardon, excusez-moi. Elle veut du change. Oh, de la monnaie. Je dois rendre 9$. Vite, ils sont impatients. Ouais, bah, 2 secondes. 9. Ah bah, j'ai raté mon cours de maths, moi. Ça se voit. Ah là, c'est bon. Ça recommence. Confirme. Ok, il y a des sous. Moi, je vais recommander des trucs, hein. Ah non, je dois donner. Give. Attends, je dois donner 10. Hein. Oh my god. C'est bon, non, là c'est bon normalement. Ouais, okay. C'est good. Ok. Waouh. Tout ce qui commande, ah ouais, le monde de ouf. Et tu sais qu'il va falloir employer des gens, mec, hein. Ouais, ouais, bah attends, pour bah, l'instant. Oh là, attaque des clones. Ok, file ta CB, toi. T'as pas un sans contact, comme ça, ça m'éviterait de taper ce que j'ai à taper au machin. Je regarde, mais bon, pour l'instant, non. Ok, c'est parti. Tout ce qu'il 21, y a, ok. 44. Ah là, ça marche. Ok, je scanne. La tunasse, 0,5. Employé, on peut pas encore employer des gens. C'est trop cher? Ouais. Ok, 28. Ok, ça c'est bon. Voilà. Ok. Allez, tu peux te barrer. C'est bon. Hop, c'est fermé. J'ai fermé la caisse. Ok. J'ai fermé la caisse. C'est bon, on a récupéré nos 100$. Oh, t'as super. Commandé des trucs? Bah oui, y'a trop de clients oh. Là. Vas-y, fais péter, on peut faire quoi avec ça? Soupe de haricots. Attends, décoration. Oh, tu peux mettre des cactus pour acheter des étagères, ok. J'ai acheté des plantes et tout. Ah, ça va arriver, vas-y, je vais poser. Un niveau 2 pour le magasin, d'accord. Pourquoi ça? Du riz. Je commande ça. Vite, y'a des clients. Oui, mais j'arrive. Attends, j'ai commandé un truc, je veux. Faut
faut mettre ça en rayon, faut mettre ça en rayon. Voilà, allez, 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 allez. Et encore ça va, le jeu est cool parce que normalement dans plein de jeux tu dois. Tu dois à chaque fois mettre les prix. Hein. Vas-y, tu peux rouvrir la caisse. Ouais, c'est bon, c'est ouvert. Wouah, la Ferrari, mec. Ouais, mec, il vient d'arriver, la vache, il vient pour du sel. Ok, 2,58. Je t'ai les cartons. Ouais, alors pour rendre, t'as vu comment c'est? Comment ça marche? T'as capté? Non, pas encore. En fait, faut que tu récupères la thune qu'il te donne là, regarde. Elle ah te oui prend, elle te donne de l'argent en fait. 42 centimes. Bien, bienvenue. 25, 35. Ok, je vois les déco qui viennent d'arriver, je me le tue pour voir. Ok. Oh oui, mais attends. Regardez. Confirme. Cet homme est élu meilleur. Attends. Cet homme est élu meilleur vendeur de l'année. Regarde. Ah. Tu vois ce que j'ai posé? Ouais, j'avais acheté ça exprès. Ah, c'est... ah mais moi aussi. Oh mince, on en aura deux. Regarde. Bonjour, je suis client. Elle est bonne la blague. Eh hey, mais ouais, t'es là. Mais oui, c'est moi. Mais regarde, y'a toi, vieux. Ah ouais, c'est moi dans 10 ans. Non, même pas dans un an, je pense. Bien parti. Bonjour, alors attends, on fait croire qu'il y a de la clientèle qui est intéressée par les étagères. Du coup, comme ça, au moins, okay. Au moins ils vont peut-être venir acheter. Ok, et là, du coup, attends, ouais, le camion là, mec. Ok, c'est 267. Un tapis. T'as mis un tapis? Ouais, ouais, ouais. Faut que ce soit agréable de venir chez nous. Combien il veut? 25. Ah, c'est bon. 25 dollars. Ça attends, va quoi? Tout se passe bien. Okay, challenge passer... 0, ok. On va passer niveau 2. Tout se passe bien, tout se passe bien. On pourra avoir une autre personne. Par contre, c'est où le. Le level up? Je crois que j'ai donné trop d'argent à un client. Oh non. Je crois que j'ai donné trop d'argent. Oh non. Genre, ouais, non seulement vous venez chez nous, mais en plus on vous donne de l'argent. Je crois que je lui ai donné ce qu'il a payé. C'est aussi en fait, c'est marqué au-dessus. Alors je vais enlever tous les mais cartons là, parce que c'est n'importe quoi là. Allez, ouvre ton camion, j'ai perdu. Ah oui, effectivement. Attends, tu sais que je vais le revendre, hein, je vais le revendre. Okay. Ah, c'est bon, tu peux revendre ce que t'as acheté. À 38. Je vais faire un tas de cartons, mec. On va faire un château fort après. Hein. Ok, voilà. Boum. Ouah, wow, okay. Et j'ai assuré, hein, franchement. Ok, excuse-moi, hein, chef. Mais regarde les sous qu'on a. Ah ouais, 200. Mais attends, le level up, ça se passe comment? À la fin d'une journée, j'imagine. Ah, peut-être, ouais. Ah, là, c'est mon poubelle. J'ai 85. Je regarde si tout va bien. Un employé en plus c'est 100$, donc après ce sera bien ça. Ok, tu veux que je commande d'autres trucs ou pour l'instant ça va? Est-ce qu'on ferait pas le point à la fin de la journée? Je sais pas. On fera le point à la fin de la journée, t'as raison. Il est 17h, on peut encore rester ouvert une petite heure là? Ouais, c'est vrai, il est 17h après tout. Bonjour madame, bienvenue! Bienvenue dans notre épicerie du Quang! Ok, voilà, parce que là clairement, vu tout ce qu'on vend. Oh, j'ai vraiment cru que c'était un client, ça a marché quoi! Oh, c'est fou, c'est bien fait hein! Alors, je vais pas te mettre la pression en espèce, mais derrière toi, t'as le boss qui te regarde. Ah, ouais, je vois! Ok! Bonjour, monsieur, pardon! Tu le vois? Ok, c'est bon, hop, merci, au revoir! Ok! Bonjour madame, je vais prendre votre argent et votre numéro! Quoi? Non, non, mais j'ai rien dit! Tu peux modifier les prix si tu veux, mais on va les laisser, par défaut. Après, on peut se faire de la thune hein! Petite guitare. Comment ça? Tu peux changer le papier peint si tu veux. Bon, c'est 900$, enfin 100$ pour rien, je pense. Hein. Ok, c'est bientôt la fin de journée, je pense. Ok. Ça va, tout se passe bien? En vrai, tu peux fermer, hein, ça va être le dernier client. Okay. Oh, ils ont pas ce qu'ils veulent! On a pas ce qu'ils veulent! Ah, je ferme. Voilà, c'est bon! Le magasin est fermé! Ok. Rentrez chez vous! il était pas content, le gars! Ah, bah ouais, bah, il va falloir commander, hein, je pense. Hein. Ouais. Ok, alors par contre, il va falloir garder un peu de thunes pour avoir un employé. Ouais, mais c'est au niveau 2? Bah oui, mais est-ce qu'on va bientôt avoir le niveau 2 peut-être? Non? Je sais pas. Je me demande si c'est pas par rapport à la taille du magasin ou je sais pas. Ah, tu veux que je regarde? Attends. Store. Niveau de magasin routier. Ah, c'est bon! Store level! Vas-y! 500$! Ah, bah faut faire une journée. Bah, ok, faut racheter du stock. Vas-y, tu veux que je rachète des trucs? De tout en grande quantité. Ok, je vais commander de tout en grande quantité. Et surtout une trucs... deuxième étagère si tu peux. Ça roule, ça roule. Je m'en occupe. Pas de problème. Tu peux alors surtout pas une étagère de stock mais une étagère de magasin hein, parce que sinon c'est quoi? Ah oui, grande étagère, c'est bien grande étagère. Ouais ouais. Ok, c'est parti. On peut ouvrir le magasin sinon hein. Ok. Ouais, c'est bon. Comment on fait? Là. Ah, comme ça. Ok. Ok, le camion arrive. Tu peux me le livrer là si tu veux, Marcel. Pas besoin de faire le tour hein, vraiment je te jure. Merci. Tant pis, il a fait le tour quand même. Ah, oh la vache, c'est normal là au milieu. Ouais, tu sais, je veux que les clients ils puissent attends, regarde. On fait ça. Il y en a un nouveau qui arrive. Là, on fait ça. Je vais mettre là. Comme ça, comme attends, ça je le bouge. Ouais, c'est bon. Regarde. Là, comme ça, ça te va? Tu vois, c'est pas mal là. Ouais, ah, ouais, mal. Tu vois, c'est nickel ça. Ou alors, tu peux peut-être les mettre d'abord contre les murs pour peut-être mieux les voir. Comme tu veux, vas-y, vas-y. Vas-y, on les pose contre les murs tous. Vas-y, vas-y, vas-y. Genre, regarde là.
T'inquiète, je vais genre, il y a un vigile. Ouais, ouais. Regarde le vigile à l'entrée. Et regarde comme ça. Regarde, tu vois vraiment ce que on a comme stock, ce qui nous manque comme stock. Ok, super. Ah. Vas-y, je vais à la caisse. Ouais, vas-y. Bon, là, je pense qu'il y a plus besoin de racheter, hein, vraiment pas besoin. Achète. Faut juste rien. Te faire 500$ quoi. C'est ça, ok, donc je dois rendre 16. Je peux pas vous rendre peu parce que. Ok, 5. Voilà, c'est bon. Hop, hop, okay. Ouais, il faut se faire 500$ et plus 100 pour payer quelqu'un. Ok, 8,62. Il est pas prêt de devenir riche avec ça, je te dis. Ok. Ah, mais on peut sprinter. Ah, oui, heureusement. Ah, mais j'avais pas 58. Vu. Ok, encore un peu. C'est bon. Voilà. Allez, prenez en grande quantité. En fait, j'avais un peu de tout. Par contre, on pollue de fou avec nos cartons partout. Ouais, c'est le but. C'est de vendre tout à la fin. Enfin, de vendre, de faire un château avec. Bonjour, y'a quelqu'un? Oh la vache! Bonjour madame, 17, ça marche. 17,05. Ok, c'est réglé. Oh, j'enchaîne tellement vite là. Ouais, okay, GG. 2, 12. 10. Dis donc, le billet là que tu viens de mettre dans ta poche là, c'est pourquoi? Non, c'est rien, c'est. Ouais. Ça? Tiens, regarde, c'est. Rappelle-toi du vigile, monsieur propre qui te regarde là. Ok, c'est bon. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. On a encore plein de stocks. Par contre, 500$, mec, ça va être rush. Bah, au pire, augmente les prix, hein. Tu veux j'augmente un peu les prix? Vas-y, je vais augmenter un peu les prix. Price, actualiser. Ah ah, modifier les prix. Je vais les augmenter de 2$ de chaque. Ok. C'est tout. Donc là, je vais mettre 7. Et là, je vais mettre 4. Voilà. Après, ils peuvent râler, hein. Attention. Ouais, bah écoute, c'est la crise, hein. Ouais, voilà, c'est la crise. Ok. Ensuite, là, je vais mettre 5 aussi. Voilà. Là, on va mettre 3. C'est quasiment le triple du prix, hein, mais bon. Ça y est, commence à râler. Oh là là, pourquoi c'est si cher? Ah, c'est bah, viens pas chez nous. Ouais. Mais après, ils peuvent prendre quand même, hein. Parce qu'il y en a qui prennent. Il râle quoi? C'est ah ouais, trop. Il prend plus. Ok, je vais rechanger les prix. Je vais peut-être mettre un peu en dessous quand même, faut pas déconner. Regarde, hop, voilà. Là, on va mettre 5. Non, 3 plutôt. Voilà. On va être 1$ au-dessus. Ok. Donc rien. Je pense qu'il va falloir reprendre du stock, on a déjà plus rien. C'est vrai, déjà? Bah ouais. Ok, voilà, comme ça. Voilà, là je vais mettre 2. Ouais, je sais, mais attendez, laissez-moi changer les prix. Voilà, c'est mieux là. Et je reprends des trucs chers, je pense. Ouais, des trucs qui vont se vendre bien là. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ok, j'ai commandé. Super. Il y a aussi la nourriture. Ça aussi je peux recommander. Voilà, c'est bon. Ok, ça va pour l'instant, ils prennent ou pas? Les gens trouvent que tout est cher. Ah. Ça a pris un peu quand même, hein. Mais ouais, je pense que le délire de changer les prix, c'est pas une bonne idée. Non. Donc on va remettre par défaut, d'accord? Mince. Voilà, et là on va mince mettre... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai... Ne dis pas que t'as trop rendu. J'ai sorti un billet de 50$. Mais non. Et on peut pas annuler. Mais non, tu peux pas. Quoi? Mais t'es un fou. On va perdre trop de thunes. Attends, mais comment on fait? Ah c'est bon, on peut annuler. Ah, j'ai eu peur. Ok, c'est bon. J'ai remis les prix, c'est actualisé. Ok, nickel. Oh, on peut annuler, il faut juste fermer la caisse. Ok, ça roule. Ah, vas-y. Je remets sur les étagères. Ah, nickel. Les cartons, hop. 3$, ok. Je mets derrière l'étagère. Ouais. Ok. Je remets les trucs en stack. Ok. Un maximum de trucs là. Voilà, c'est bon. Et le magasin, heureusement, il marche la nuit. Hein. Bah, de fou, hein. Voilà, ça c'est good. On met des trucs là. Ah, ça c'est beau. Ah là, tu veux que je recommande des trucs un peu là? En vrai, il faudrait du bleach là, du nettoyant là, blue je sais pas quoi là. Blue powder là. Blue powder? Ouais, ou bleach je sais pas quoi là, un truc nettoyant là, c'est bleu, la boîte elle est bleu ciel. Ah mais ah, les lessives. Ouais, lessives voilà. OK, vas-y, je recommande. Ah là, c'est bon. Ça va arriver, il y a un gros stock qui va arriver là. Super. Ouah, tout ce qu'a ta nourri là? Ouais. Oh, excellent. Bon, il y en a que pour 17$ hein. Ouais, c'est vrai. Faut vraiment qu'on monte niveau 2 notre magasin, mec. Bah ouais. Oh. C'est bon. On est possédé. Événement. Événement de nuit. C'est pour attirer les gens, c'est pour s'il se passe des choses bizarres, ils vont venir après, tu sais. Ok. Je fais les stocks, hein, t'inquiète. C'est pareil, voilà, avant, plus tard, tu peux payer un mec pour faire les stocks. Ça, c'est bien ça. À la fin, tout est automatisé, donc c'est cool. En vrai. Il y a tellement de trucs à prendre. Oh là. C'est bien, s'il y a plein de trucs à prendre, c'est bien. Ça veut dire qu'on va avoir plein de trucs à vendre. Ouais, heureusement qu'il fonctionne la nuit ce magasin. Oh, mais ça va arriver ou pas là? J'ai l'impression. Y'a un autre qui se pointe? Je sais pas, il s'est barré.
Ouais, c'est barré alors que j'ai commandé des trucs mais tout est pas arrivé. Bah enfin. Parce que c'est trop cher. Ou alors je sais pas, ils livrent pas la nuit, j'en sais rien. Je recommence. Je recommande un peu. Ok, on est bien. On est très bien. Là, il y a beaucoup de trucs hein. Là, franchement. Ouais, là, ça va être bien le stock là. Waouh, tout se calmer là. Là, je pense que je recommande plus là. Ouais. 34 centimes. Ton camion, je dis bien. Ah voilà, là, ça y est, il a mis du stock. Et. Voilà, hop. Et c'est tellement satisfaisant. La lessive, c'est bon, je l'ai enfin. Super. Monsieur Wash. C'est monsieur propre quoi. Oui, enfin. Oui, c'est ça. Ok, sans vendre. Ah, y'a ton grand-père qui est revenu là. Ah, c'est vrai, papy. Fais-moi habiller là, c'est pour mon anniversaire, s'il te plaît. C'est pour ma boutique. S'il te plaît, on peut fêter mon anniversaire et toutes les fêtes en avance là. Ok, hop là, voilà. Dédicace à tous les gens qui ont l'anniversaire en même temps que toutes les fêtes. Oh ouais. Voilà. Terrible ça. Ok, oh, on a 200 dollars. Avec un stock quasiment plein, mec. Ouais, ça c'est bien, c'est bien. Oh le cassoulet. Voilà. Bring these. Parfait. Non mais t'es voilà. Pas venu dans un désert juste pour acheter ça là, mon gars. Il a acheté quoi? Tu veux prendre la relève ou pas? Ou c'est bon? Comme tu veux. Maté la caisse. Tu devrais tirer les boulons. Il y a peut-être moyen. Et le bel et d'essuie-casse, tu récupères un peu de thunes. Ça fait vraiment bizarre d'arriver. T'as le panneau. Bonjour. Qui est là, tu sais? Ouais, vas-y. On peut échanger. Vraiment, le stock il est pas mal. Hein. Franchement. Bonjour. Ça va? Bonjour madame. J'en profite. Carte bleue. Parfait. Tu peux écrire avec le. Oh, tu peux écrire avec ton vrai clavier? Mais non. Si, tu peux écrire avec ton vrai clavier. Est-ce qu'on peut se barrer? On peut pas se barrer, ok. Ok, donne-moi le bifton. Ok, oh bah zéro, nickel. Des fois, ils donnent zéro, t'as vu, c'est bien. T'as pas besoin de rembourser. Ok, bah je laisse la caisse de. Eh, mais le camion, il est encore là! Non, mais c'est. Ah, c'est revenu! Ah, mais c'est ça, il avait pas encore livré! Oh bah là, laisse tomber, c'est là-dessus, là! Oh ouais! Oh là là, mais il avait pas livré! Oh, ça c'est bon ça! J'ai plus de place. Ok. Ok, nickel. Attention à pas prendre trop de place. Hein. Ouais, je vais à la caisse, t'inquiète. Hein. Apple Cinnamon. Ok. $0. Oh, je te vois speeder, mec. Oh bah, j'ai pas le temps. Ok, je vais t'aider parce que là, y'a encore personne. C'est bon. Ah, y'a plus rien? Ok. Bon bah, ça marche pour l'instant. 5h du matin. Bon, là, on va aller faire les 500. Oh bah, y'a moyen. Hein. Alors, si quelqu'un veut un carton, hop là, voilà. On est chaud, hein, franchement. Alors 25,95. Ah ouais, c'est tellement plus rapide si tu le fais avec ton clavier numérique, mec. Tu peux, je te jure, ça fonctionne. Hein, tu peux essayer, hein, regarde. S'il propose la carte. Ok. Vas-y, vas-y. Ah, dommage. Génial. Toi, t'as pas de bol. Hein. Moi, en plus, il me donne du fric. Et genre, j'ai pas besoin de rembourser quoi que ce soit, tu sais. C'est zéro. Bah oui, oui. Ok, ça va pour l'instant, ça se passe. Eh, du stock, ah oui, bien vu. Mettre des chips. Oh, le rayon de chips. Oh, la concurrence déloyale à Pringles. Carton. Ok, ok. Oh la vache. 14 centimes. Je surveille. Ouais. Pas plus que prévu. Ok. Oh la vache. Merci. 25 centimes. C'est bientôt les 50, bientôt. Oh là 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 là. Oh vas-y, ça y est. Ah voilà, ok. Regarde. Donc là, c'est combien? 24,7. Numérique. Regarde. T'as vu? Ça n'a. Attends, mais j'ai pas. Ah, mais oui, c'est trop bien! Mais t'as vu? Tu fais ça, et voilà, ça va trop vite! Oh, mais ouais! Ah, il nous a donné un billet de 100$, lui! Non, mais attends! Excuse-moi, le riche, hein! Désolé, j'ai eu des billets de 500 balles dans mon portefeuille. Pardon, vraiment. Ensuite, 43 centimes. Hop, et hop. Voilà, le tas de carton APEC. Thank you. Oh, le monde! Le monde! En vrai, les stacks pour l'instant, on en fait pas, hein, je pense, hein. Ouais, ouais, on est bien. Je suis pas à monter niveau 2 moi après, hein, donc fais un peu. C'est où déjà? Ah, ça, tu peux avoir des drapeaux et tout, trop bien. Les prix, on n'y touche pas. Store level, $500. Ok. Et après, il faudra aller dans employé pour avoir John Anderson. Attends, oh yeah, deux employés. On va en avoir deux. Et ça, c'est trop bien. Bah, ça se trouve, après, au bout d'un moment, on peut avoir un étage et tout. Bah, ça va, mec. Il attend quoi, lui? Tu veux. T'y vas ou. T'y vas? Just these things. Wouah! Il m'a shooté l'autre! C'est peut-être un inspecteur des. De la Fnac, j'allais dire. Ouais, l'inspecteur de la Fnac, ouais. Du fisc! Ouais, genre, vous avez payé vos impôts. Ok, hop là! Ah, c'est bon. 420 dollars! Allez, 420 dollars! Il y a du monde qui. Ah, on fait pas de stock, hein. Là, c'est mort. Ils prennent des chips et c'est. Oh! Fou. Ouais, t'as vu, on peut rien faire avec lui. Oh! Ok, je vais reprendre la caisse si tu veux. Aïe! Aïe! La caisse! Je suis dans une voiture! Ok, c'est bon. Non, meurs pas s'il te plaît, hein. Ok, 14,48.
Est-ce qu'on peut... Oh, ça y est, il bouge. Ok, bien joué. Alors la carte, 27. Ah, exactement ce que je voulais. Ok, impeccable. Ok, on va attendre qu'il fasse la queue un peu. Donc tu savais pas acheter des fleurs, moi? De quoi? J'avais pas acheté des fleurs? N'achète plus rien par contre. Bah peut-être que c'est dans un carton. Bah ouais, c'est dans un carton MD hein. Bon courage pour trouver. Bonjour. Vas-y. Ok. Ah, la petite carte bleue. Mais il est là lui alors qu'il a rien pris. Mais attends, mais c'est le chiant de première. Il a son jumeau qui a débarqué. Ah non, c'est bon, en fait, voilà. Les sacs. Ah, ça y est, là ok. 80$, non mais oh, oh. Waouh, il faut rendre un gros paquet de thunes. Là t'as rendu 100 hein. Là tu rends 100 là. Voilà. Voilà, ouais, heureusement que j'ai vérifié. Il allait refaire l'erreur. Ok, 6. 6,81, ouais. Oh, c'est... oh, y a du monde là. Ah, ok. Allez, vas-y, bien, tiens. C'est bon. Ok, attends, je vais aller améliorer le magasin. On va être à 500$. Ouais, c'est pour ça. Attends. Je vais le faire. Ouais, j'ai compris. Ok, attends. Comment. Close. Ok, j'ouvre, j'avais fait l'erreur. Ah bah bravo. Bah super, juste pour ça, 3,49. Ok, ensuite le bifton. Faut que je rende, alors 5, 6. En fait je confondais les centimes tout à l'heure, c'est pour ça. Je pense que t'as eu la même à mon avis. Ouais. Vite. Je vais améliorer le truc. Vas-y. Dans le balade. Oui. C'est bon. Let's go. On va pouvoir maintenant avoir un employé. Très bien! C'est 100$! Génial! Ok, pas besoin de recommander en plus! Alors comme ça après, y'a plus besoin d'être à la caisse! Y'aura plus besoin d'être à la caisse! Bon, après, y'aura juste besoin de se concentrer sur le stock! Des fois ils sont un peu loin, mais les employés, tu sais, quand tu les engages. Ouais. Okay. Tu pourras l'employer si tu veux? 75. Voilà, c'est bon. Nickel! Ok, oh, les stocks ça va, ça a l'air d'aller. Vas-y, j'y vais. Hop! La CB. 10, 19. Ok, on est bon. Voilà, il y a plus personne pour l'instant, mais c'est normal, il est que 11h. Les gens sont pas trop chauds. Ok, là il nous faut absolument l'employé. Tu prends n'importe lequel des deux et tu le mets au mode caisse. Ok. Je suis sûr qu'ils vont te demander ça en stock ou en caisse. Tu veux quelqu'un qui travaille de jour ou quelqu'un qui travaille de nuit? Ah, c'est vrai, c'est ça. Ah, de jour, non? Ok. Je sais pas, c'est peut-être mieux. Ça marche. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Hop, c'est bon, madame. Voilà, ciao. Je peux pas déjà juste l'embaucher là? Non, tu peux pas. En fait, c'est 100$ l'embauchement et après, c'est 20$ par jour, par travail. Voilà. Ok, bon, là, y'a plus personne. En vrai, je me demande si ce serait pas intéressant de faire une commande des nouveaux produits. Donc, on prend pas l'employé alors? Waouh, on attend. Bah, vas-y, on attend. Non, mais si, non, t'as raison. On va prendre l'employé, ça sera mieux. Vas-y, j'y vais. Ah, ok. Hop. Ok, bonjour madame. Oula, oula. Hop là. Oh, 91, on est bien. On est très bien. Il y a grand-père qui est là. On commence à manquer de stock, ils arrêtent pas de se plaindre de ça. Ah, c'est vrai, masse. Donc, tu vois, regarde, on peut le trouver nulle part, je le trouve nulle part. On fait quoi, on commande un petit stock? Attends, on va attendre que tes deux papis passent là. Ok, ça roule. Ok, ça achète. Ok. Ah ouais, on vend tellement des nouveaux trucs. On vend des candy up et tout maintenant. Ok, ça a l'air d'aller. Le problème c'est que si on... Faut quand même qu'on prenne du stock parce que on si est obligé à mon avis, hein. Si c'est mort pour l'employé. On embauche un employé et qu'on a rien Ah c'est mort, faut prendre du stock. Ok. Oh ça je peux pas le prendre, rip. Ça va être ça. Ça peut pas le prendre non plus. Ça non plus, ok. D'haricot. Ok. Ça va arriver. Ok, nice. Ça nous a ruiné mais ça vaudra le coup. Bah ouais, c'est un investissement. Ok, le camion arrive, let's go. Alors j'ai commandé les trucs les plus chers, hein. Super. Mais pas en plusieurs, hein. Un de chaque, tu sais. Un peu la technique, ça, tu sais. Voilà, voilà, ça va le faire. Ça va monter, ça va venir, allez. Je vais mettre des trucs en magasin qui vont valer très cher, là. Vas-y. Vas-y, des briques de lait périmées, bien sûr, hein, parce que... Oui, toujours, hein. Qu'est-ce que c'est? Cet article doit être passé dans un réfrigérateur. Oh, on n'a pas de réfrigérateur. On est mal, c'est combien? J'ai peur. Ah ouais. J'ai pas vu. Alors attends. Décoration, instrument. Attends, mais c'est dans quoi? Bah ça doit être dans rangement, non? Réfrigérateur petit, 150$. Eh ben, on les a pas. Eh ben, on va recommander des trucs nuls, gâteaux. Des gâteaux, ça va pas dans un réfrigérateur, ça va aller, ça? Gâteaux, attends. Ouais. Soupe, non. Ok, soupe, non, c'est bon. C'est pas marqué où ça va? Attends, je vais mettre. En fait, ça le met que quand tu poses sur une étagère.
Alors ça, je pourrais pas, hein, bien sûr, parce que c'est des bières. Bah ça non plus. Bah je vais commander des gâteaux. D'accord. Ouais. Je vais commander des gâteaux. C'est pas grave, ça sera pas perdu. Ok. Hop. Et bah ça, je vais le virer. Et on est bon. Ok, c'est parti. Voilà, merci. Voilà, donc c'est pas grave, on achètera le réfrigérateur après. Bah ouais. D'abord employé peut-être ou... Bah non, non, le réfrigérateur. Ouais, le réfrigérateur. T'as pas le choix, hein. Oh my god. C'est chaud, mec. Non, c'est froid. Ouais, oui, mais, oui, c'est clair. Ok, vas-y, je vais déposer des trucs en magasin. Ah. Ok, c'est bon, ça arrive. C'est exactement dont j'avais besoin. Ah, parfait. Venir dans le désert pour acheter des Pringles. Ça c'est quoi ça? C'est des gâteaux. Ah ouais, c'est bon les gâteaux. Ça, ça va avoir de la thune, mec. Parce que ça, on les avait pas encore eu. Mais le plus cher, c'est des trucs au réfrigérateur. Ouais, bah je vois, j'imagine, ouais. Oh, du riz basmati, ok, impeccable. Du riz, mon pote. Voilà, donc le Ben. Ok, de la farine. Voilà. Hop là, si tu vois, après on peut échanger, hein, si t'as envie. Waouh, wow, bon, ça, ça va. Et les gâteaux, les gâteaux, les gâteaux. Alors lui, il a l'air d'acheter un million de trucs là. Tant mieux, tant mieux. Plus il y a d'articles, plus il achète. Oh oui. La soupe, la soupe. 7,92. Voilà, parfait. C'est bon. On a du rayon. Ok, impeccable. Alors s'il sort des gâteaux, je te dis, ça va rapporter. Les gâteaux, il en a acheté, ouais. Oh ouais. Fais voir un peu, c'est combien les prix. Ah, pas tant que ça en fait, hein. Le mieux, c'est les chips. Comme quoi. Oh. Et la lessive. Mais attends, mais genre la lessive, c'est ce qu'il y a de mieux. On a plus de lessive. Ah bah on en a plus alors. Bah attends, je vais acheter de la lessive en masse. 3,92. Attends, prix total 12$. Ah ouais, attends, ça et ça. Ok, et ok, j'ai refait une petite commande. Ok. Bon, alors là, on va se mettre très très bien. Ok, bah après, s'ils prennent beaucoup de petits trucs en quantité aussi, ça rapporte, hein. Ouais, 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 bien sûr. Allez, vas-y, c'est parti. Ok, 10$. 150, après on a le réfrigérateur. Hein, qu'on mettra au bord de la fenêtre au soleil, hein, bien sûr. Ah bah. C'est pas ça, non? Et proche du radiateur aussi. Ah ouais, ouais, bien sûr. Puis on va pas le brancher, on fera des économies d'électricité. Voilà, c'est ça. Ok. Allez, chips, impec. 57. Voilà, la lessive, on en avait plus donc c'est parfait. Oh, ça y est, on commence à avoir des gros paniers là. Ah ouais, comment c'est monté là? 85. Oh, let's go! Et les petits gâteaux. Le frigo, il est bientôt pour nous là. Ah ouais, ouais, ouais. L'employé, il attendra. Ok, c'est good. Voilà, j'ai remis plein de trucs. Techniquement, je fais l'employé. Ouais, c'est vrai, tu veux échanger un peu? Non, ça va, ouais, ça va. Un peu, un peu. Voilà, y'a du monde là. Y'a du monde, y'a du monde. Ok, oh là là, la thune. Et tu sais, des fois, il existe des trucs pour attirer plus de clients, genre des affiches ou des trucs comme ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, nous, il faudra un phare, hein, parce que vu comment on est loin de la ville. Y'a encore un mec qui fait rien, non mais mec! C'est pas l'endroit pour faire la sieste! Ouais. Pas, tu vois, y'a 30$ le panier là. Bah, ouais, pas mal. Il va peut-être te demander ton numéro, c'est pour ça qu'il ose pas venir. Hein. Ah, ça y est, il se décide. Il a c'est un paquet de céréales. Ok, voilà, c'est. Oh, oui, 163! Let's go! Let's go! Oh, bah, bien sûr! Et c'est parti. C'est commandé! Ça se voit, on a plus rien en stock. Ne me dis pas que tu veux utiliser ta carte de crédit si c'est pour payer avec des billets! De ouf. Ok, il arrive, le camion arrive, je vais pouvoir préparer les. Bonjour, vous prenez la carte bleue? Oui. Super, je vais payer avec des billets s'il vous plaît. Vas-y, let's go. Je vais poser le réfrigérateur, après tu pourras prendre l'employé si tu veux. Ok, combien? 27$. Ah, tellement lourd! Je vais le mettre là. Voilà! Regarde. Nice. Ah, de la allez bure. Le coca, la bière et le lait. Allez. Voilà, je vais laisser ça à côté au soleil. On va prendre le lait maintenant. Just allez, c'est parti, le lait. Pareil, boum. Y'a pas de règle hygiénique ici, on s'en fout. Voilà, attends, ça c'est deux fois la même chose. Ah non, c'est pas les mêmes. Une bière Atchoum. Okay, ah, Atchoum, ok, d'accord. Pas de problème. Pour éternuer. Voilà! Oh, techniquement, pour poser sur le congélo aussi, ça compte! Ouais, ça, je laisse au stock. Il y a des magasins, des spirites où c'est au sol comme ça, hein. Bah ouais, bien sûr! Je connais. Oh, c'est bon, on peut avoir un employé! Oh oui, let's go! Prends celui du soir, prends celui du soir! Ah bah oui, oui, c'est vrai! Employé. Comment tu sais? La fille à droite! Ah oui, Olivia Wilson! C'est marqué. Oh, parfait! Elle arrive demain à 19h! Génial! Génial, on la voulait maintenant! Et bah voilà, donc elle ne servira à rien. Bah on peut commander l'autre aussi, hein. Bah si t'as assez d'argent, ouais, hein. Bah ça va venir, je pense, ça va venir. Attends, je vais refaire du stock là. De la bière Atchoum.
et du lait. La pirachou. Mais c'est non, je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai, c'est non, c'est non. Oh la vache. Ah ça, ça y est, je vends les premières bières. Ah ça vend bien, ouais. Ah ouais, bah tu vois. 83. C'est l'éternuement ça. C'est l'éternuement. Ça rapporte vraiment bien. Franchement, oh, ouais. Ouah, 100$. Oh oui, oui, pas mal. Et là, ils ont repris, je vais remettre du lait là-dedans. Ok. Voilà. Par contre, la bière Enerzone.quoi là, il est clair là, ils en veulent pas. Hein. Génial. Ça les intéresse pas. Hein. Le carton qu'on voyait poser, quoi. Ok, allez, allez, servez-vous, les gars. Voilà, c'est bon, ils en prennent enfin. Nice. Et du lait, bah oui, il y a toujours besoin du lait pour les chocs à pic le matin. Ok, là après, t'inquiète, je vais employer tout de suite une nouvelle personne dès que je... Ouais, c'est bon, j'y vais. Employé. Bien joué ça, deux employés, c'est ça qu'on veut. Voilà, elle va arriver demain à 7h du matin. Ok. Je peux remplacer si tu veux. Ouais. Vas-y, hein. T'inquiète, hop, hein, je remplace. Hop. Et tu peux acheter de la... Tu peux acheter des nouveaux articles, hein. Et peut-être un autre frigo quand même, ça serait bien. Ok. Parce que... Ils vendent pas genre un gros frigo ou un truc comme ça. Après, réfrigérateur petit, large. Il est à 200$ et il faut être niveau 4. Ah bah vas-y, on reprend un petit si tu peux après. Par contre, petit, apparemment on peut acheter. Eh mais attends. Eh mais quoi? Les cartons qu'on laisse ici là, comme des malpropres. Ouais bah quoi? Mais faut les jeter dans la poubelle. Et ça fait quoi? J'en sais rien. Bah voilà, bah c'est pour ça que je les ai pas achetés. Si. Attends. Je crois que ça fait de la thune. Non, c'est parce que je viens de vendre là. Non non. Non non, ça sert à rien. Attends, vas-y, jette. Voilà, ça rapporte rien. Donc tu peux les laisser, ça fait une belle déco au moins. Voilà. Ok. Bah on va bientôt avoir de quoi s'acheter le réfrigérateur. Ok. Donc c'est parfait. Et après, il faudra prendre les produits les plus chers. Ok. Oh, c'est trop bien. Ok, bah y'a plus personne. Alors. Réfrigérateur, c'est pour bientôt. T'es ouais, c'est à 150, c'est ça. Ok, on a terminé ça. Je vais mettre la poubelle pour te faire plaisir, mais. Bonjour, excusez-moi, désolé, hein, je fais tout en même temps, moi. Hein, je suis patron et employé. Hein. Ah, 18, 93, en plus on est ouvert H24, ça fait 2 jours que j'ai pas dormi les gars, donc ouais, ok, nickel, bonjour madame. Ça prend des chips, vous avez bien raison, c'est ce qu'il y a plus cher ici. 10$ la chips. Laisse tomber le paquet toi. Ok, oh, ça va prendre des gâteaux. Bah oui, vous avez raison, le régime, on s'en fout, faut se faire plaisir hein, de temps en temps. Bah oui. Voilà. Ah, ça par contre, ça me fait moins plaisir. C'est des pièces. C'est bon. Prends le frigo. Je le prends. Je pense que c'est une bonne idée, non? Ouais, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Et après, ah non, quoique, attends, t'en as pas besoin. Oh, si, si, prends-le, prends-le. Si, si, ouais, ouais, ouais. Et là, après, quand on aura assez de thunes, quand on aura vraiment encore, genre, beaucoup de thunes pour acheter plein de trucs. Bah, ça, en fait, c'est simple, tu vas dans les prix, genre, bah, les prix d'achat des trucs, tu fais dans hall, et tu regardes le prix total. Ouais, ouais, ouais. Et si tu vois les trucs les plus chers, au-dessus de 10$, tu les prends. Hein. Bien sûr. C'est ce qui vaut le plus, c'est ce qui va se rendre forcément le plus cher. Oh, lui, il a fait des courses de fou, là, pour 3 mois, là. 5, 6, 7. Ok, c'est good. Voilà. Ok, la CV, parfait. Nickel. Ok, on a 54$. Voilà, deux frigos. Ah ouais, beau frigo ça, beau frigo. Je peux le poser au-dessus lui. Dommage, j'ai vraiment cru. Vous êtes obligé de prendre ces bières. Regarde. Le mec qui est là, regarde. Voilà. Ok, nickel. Bah, tu vas pouvoir commander des trucs. Par contre, faut garder 20$. Oublie pas de chaque fin de journée pour les employés, sinon ils vont se barrer. Ouais. Et du coup, faudra repayer ça si on les revoit. Ah ouais, on a plus rien en stock, mec. On a plus rien en stock. Faut prendre plein de trucs à 10$. Ou au pire, si tu peux prendre plus de. Bah, ouais, bah, attends, bah, je sais pas, mais. Ok, la thune. Parfait. Des trucs okay, à 10$, d'accord, ok. Pense ça, va faire un peu comme tu veux, mais. Ok, faut que je rentre 10 et 3 centimes. C'est good. Impeccable. Voilà, mais... ouah, stylé un peu hein, quand même de notre magasin, non? Ouais, moi, je valide. Sûr, hein. Moi, je le valide de fou. Ok, la tunasse, hein. Alors 5$. 8, 54, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est bon. Ok. 9$. Wouh. Ok, c'est good, good, good. J'ai pas trop commandé, mais un peu quand même. Histoire ouais, qu'on ait de la thune pour payer les employés ouais, après. De ouf. Attends, juste voir un truc, c'est les décorations. C'est quoi? Ah ouais, le cactus. On pourra. Oh, on pourra un panneau après. Ça peut être intéressant en vrai. Ouais, carrément. Peut-être ça va attirer plus de monde. Ah, il y a des gens qui cherchent du lait, je pense, hein. Ah c'est vrai? J'en ai commandé de toute façon. Ok vas-y, bah on va voir ce qu'on va mettre oh, en plus à 7h il y a notre employé qui arrive. Tu vois que c'est 92. Ok, j'ai du lait. Nickel. Nickel, nickel. Vas-y, je vais prendre ça. C'est quoi ça? C'est les gâteaux. Petit gâteau. Ah voilà. Ouais, effectivement on a plus rien mec dans, en stock. Ok. Bonjour madame.
Après, je crois que c'est en cliquant sur l'employé quand il arrivera, peut-être qu'on pourra choisir ce que ça tâche. Ça marche. En mode mise en rayon ou alors caisse. Moi, je mettrais caisse. Hein. Ok. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus chiant à faire. Voilà, 80$. On peut prendre si tu veux la pancarte. Ouais, il faudrait surtout faire du stock avant d'acheter la déco là. Ah, il faut quoi là? Bah, genre, on a plus de riz, on a plus de soupe de haricots, on a plus de pommes cinnamon, on a plus de nettoyant. Ok, c'est bon, j'ai fait une commande. T'inquiète pas, la thune va arriver avant. Avant que l'employé termine sa journée, t'inquiète pas. Ah, bah, ouh, non, mais c'est sûr. Là, on va être très très bien, les amis. Yo, le camion! Il est déjà là? Je sais pas, je crois pas. Ah, j'entends pas son moteur. Ah, il arrive, ça y est, je vois, avec ses pleins phares. Ouais, il arrive tellement vite, le danger quoi. Ok. Je prends ça. Nice. 23-42. Ok, parfait. Voilà. Oh là 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 là. Allez, ouvre Michel. Ouah. Tout ce qu'il a, mec. Oh, juste pour deux bières, voyons. 2$ et 2 centimes. Alors, madame, ça c'est bien, ça c'est un cali qui me plaît, ça. Ok. 9,91. Impeccable. Voilà, on va acheter aussi la pancarte. Vraiment le patron de magasin qui veut que de la thune. Bonjour. Ah, ça c'est un calé qui me plaît, ça c'est bien rempli ça. Hey, je peux pas nourrir mes enfants avec du papier mâché moi hein. Ok, c'est bon. Il y a un autre cadeau qui va arriver après. Attends, je vais t'aider vite fait pour la mise en rayon. Parce que de toute façon il y a... Oui bah vous allez attendre, hein, 2 minutes, je peux pas tout faire hein. Moi j'ai pas 6 bras hein. Hop, voilà, c'est bon. Ok, parfait, il voulait exactement ça. On dirait trop le truc de shit, la baleine bleue, tu sais, le sel. Ouais, ouais, ouais. Ok, on prend encore des trucs. Je crois qu'il y a un autre camion qui va arriver. Ah, cool. Ok, parfait. Je pense que les décos, ça devrait attirer le monde, tu vois. Voilà. Parfait, ensuite. Il y a quoi dans décoration, là? Le cactus, ça arrive. Bonjour, monsieur. Il nous manque une pancarte d'employé. Ok. Salut. Oh ouais, quick service. Y'a une personne là. Et après on comprendra l'autre. Ça va être des barres. Ça va, si tu t'en sors? Ah bah attends, je vais en mettre des trucs au frigo. Voilà, cool. T'inquiète pas, l'employé va bientôt arriver. Oh ouais. C'est une heure et demie. Du coup ce... Mais c'est juste ça que j'ai acheté. C'est une blague. Et en plus il passe au travers. C'est pour leur montrer de faire la queue ici, regarde. Mais non. Tu vois. Voilà. Si, je pense que c'est ça, regarde. On la queue ici. Voilà. Waouh! J'ai vraiment acheté un seul truc comme ça. Ah, l'autre camion arrive, je crois. Oh, je suis dégoûté, mec. Ouais, le stock, il est bien. On va mettre des bières. Ah, là, parfait. Dans 1 heure, elle arrive, l'employé. Ouais, ouais, ouais. Oh, bah, on va voir le tas de carton, elle est contente. C'est normal, le tas de carton. Oui, c'est normal. Ouais, c'est ton premier boulot, tu vas devoir tous les plier. Oh, non. Dans une zone d'aplatissement de carton, bien sûr. Ok, donc ça, cactus. Voilà, ici. Parfait. On est dans le désert, hein, c'est pour bien le rappeler. Bien sûr. Et elle va arriver, je crois. Et vas-y, je reprends ça. Là, je mets ça là-dedans. Ah, y'a pas assez de place. Ok, on va le poser là, c'est pas grave. Ça va, tu t'en sors? Ouais, c'est bon. Elle va arriver. C'est elle? C'est elle? Tout de suite. Mais comment ça, c'est moi? Madame, essayez-vous, y'a pas de soucis. Non, c'est pas elle, je pense pas. C'est peut-être lui? Y'a un bus qui arrive! C'est sûrement elle! Ah, bah oui, c'est un bus, oui. Y'a un bus! Let's go! Le bus magique! Bonjour monsieur Prop! Ah! Eh, hey, c'est gros, c'est toi, c'est ton papy! Ah, oh, score! Ah, attends, mais alors, stop self, donc ça c'est pour clean up, nettoyer, take a break. C'est quoi? Attends, stop self? Clean up ou take a break? Bah, check pour l'instant, clean up, clean up, clean up, clean up, clean up. Quel nettoie les cartons là? Mais non, mais ça sert à rien ça! Et si, ça doit être pour le, ça doit être pour le bien-être des employés ça! Ah, et check-up Check-up, c'est la caisse. Ah ouais, et ça va pour l'instant la caisse, t'es bien? Ah bah oui hein. Sinon après je te le mets hein. Et donc là, ça c'est pareil, on l'a pas. J'ai commandé. Après je mettrai de la couleur quand même hein. Ouais, bien sûr. On pourra avoir du rose, mais c'est tellement cher, donc on va prendre on partira sur du bleu. Avec un parquet un peu clair, et on va changer la façade. Mais il faut un peu de thune pour ça. Ouais, ça marche. Voilà, pour l'instant ça va le stock. Franchement, ça a l'air. C'est quoi, il a une barre de vie le mec? Ah bah tu m'étonnes si tu vois tous les cartons qu'il va ramasser. Ok, Ah, tu veux pas le mettre en caisse? Attends. Comme tu veux. On peut essayer de le mettre en caisse? Je vois, si tu veux. On va vous tester en caisse. Vas-y, tu l'as. Ah, vas-y, regarde les cartons, on va les. On va les prendre, on va les jeter, hein, si tu veux. Ok, je regarde. Je suis pas sûr pour le bien-être. Vérifie qu'il compte bien. Ça va, on vous met pas trop la pression? Regarde.
Ok. C'est pour lui, c'est pas pour lui mettre la pression, regarde. Ah non, pas du tout. On est pas du tout, regarde, dans l'illégalité, regarde. C'est bon. Regarde, hey, psst. On va se poser là. T'es où, Dylan? Regarde, t'es dans le coin. Regarde, viens, viens, viens. Il regarde là, dans la stockage. Il y aura aucune différence là, c'est bon. Il verra aucune différence. Ah, mais il est là, mon cactus. Ouais, ouais, il est là, ouais, c'est moi qui l'ai racheté. Ah, c'est bon, il fait la caisse. En vrai, il gère. On va peindre le mur, ça te va? Vas-y, vas-y, hein. On va changer un peu. On va mettre. Seul boss. Bleu. T'as changé? Ouais. Ah, waouh! Stylé! Ah, c'est plus agréable! Ouais! Pareil, le sol. Un truc peut-être un peu plus clair. Bon, voilà, vache. C'est quoi? Ça, c'est l'extérieur. On va mettre ça. Waouh! Stylé en vrai, non? Carrément. Franchement. On se croirait à Majorelle, c'est magnifique. Ah, c'est beau! C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok, vas-y, je vais prendre les cartons. Je vais en jeter un paquet. On peut pas les empiler l'un sur l'autre, genre c'est non, trop loin, un carton non, léger. C'est horrible. Bah ouais, attends, c'est méga long, mec. Pour ça, normalement, en fait, fallait tout de suite les jeter, quoi. Ah ouais, ouais, bah ouais, mais moi je voulais faire collection, tu comprends. Ok, voilà, ça c'est bon. Ah, il bosse bien, les gars, c'est bien, Kevin. C'est ouais, Kevin. Ça va. Non, je m'appelle John, je vous l'ai déjà dit. Ah oui, John, c'est marqué son haricot. Oh, j'ai failli faire un dab avec farine. Ouais, vas-y, je peux commander. Haricot, farine. Il nous faut 200$ aussi après. Ouais. Pour le mur extérieur. Ouais. Ok, donc ça c'est bon. Ouais, vas-y, commande. Il encaisse, Impec. Mais c'est trop pratique. Voilà. Et tu sais comment aller. Après, tu peux acheter une autre caisse dans le futur. Hein. C'est trop bien. Comme ça, en fait, il y a deux fois plus de personnes qui viennent, je pense. Voilà. C'est ça qu'on veut, nous. Ok. Oh là là, tous les cartons, mec. Ah, et en vrai, à midi, faudrait le mettre en pause jusqu'à 13h30. Pourquoi? Bah, pour le bien-être, peut-être, non? Bah, non, mais de toute façon, il va s'arrêter après, non? Non, faudrait quand même que de midi à 13h30, il soit en pause. Les patrons. Eh, faut être humain, là, oh. Mais ouais, mais je suis d'accord, mais ok, vas-y, bah... Wouah! Le carton qui a rebondi de fou. Il a foutu le camp. C'est pas où il pleut là, on est dans le désert, il fait un temps où il pleut, on dirait. Pourtant, on est à Dubaï là. Hein. On dirait vraiment on est à Dubaï, mec. Mais ouais. Hop là. Voilà, on payera pas d'impôts comme ça. Ok, nickel. Allez, ça c'est bon. Faut le mettre en pause, faut le mettre en pause. Moi je sais pas faire. Vas-y, je vais le faire en pause, je vais le faire en pause. Attends. T'en tiens. Take a break. Ouais, un break. Tu le retiras ton salaire. Le pauvre. Oh, le patron. Horrible. Horrible. Ah, hey, oh, on fume pas devant le magasin. Il est en train de fumer sa clope. Et par contre tu vois le monde qui attend, tu le feras quand même, hein. Ah, vas-y, je m'en occupe. Tout ce qu'il a pris, lui. Okay, c'est bien, on a plein les thunes là. Ah là, regarde la thunasse là. On va pouvoir faire acheter le mur extérieur si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Tu peux le faire, hein. Voilà. Ah bah c'est parfait. Ok. Parfait. Voilà. Alors décoration. Ah non, custom, c'est ça. C'est wallpaper. Ouais, le extérieur. Il y en a 15, ah, c'est 200$, ouais. Je crois. C'est ça? Ouais, c'est bon. Ok, j'ai hâte de voir ça, hein. Ok. Voilà. Parfait. Oh, oh, oh. Ça flex ou pas là? Allez, 13-30, gros, on va travailler. Clean up. Ah, c'est bon, je peux le laisser faire. Je l'ai mis à nettoyer, je l'ai mis à nettoyer. Ok, vas-y, ça marche. Moi, je m'occupe des pièces. Y'a rien de moins cool de faire ce truc là, hein. C'est pour ça que je veux l'y mettre. Voilà. De quoi? Faire les caisses? Non, non, de payer. De faire la caisse. Ah, ouais, bah c'est faire... ça, c'est ce que je viens de te demander. Ah non, ouais, ah oui, faire les caisses. De quoi? De faire la caisse? Non, mais, non, de faire la caisse. Quand tu disais de faire les caisses, je pensais que tu parlais des caisses de carton, moi. Non. C'est pour ça que j'ai pas compris. Ah, désolé, j'aurais du mal à réfléchir en même temps. Ah, je suis bloqué. Attends, je vais virer le patron, je vais le mettre là, le deuxième patron. Voilà, ça surveille. Faire un peu? Oh, ouais, stylé. Franchement, pas mal, hein. Oh, ouais. Pas mal, pas mal. Ça coûte combien une extension? Waouh, 1500$. Ok. 1500$. Chariot de stockage. En vrai, on a déjà tout. On a déjà tout, tout, tout. On est pas mal, hein. On est pas mal. Instrument, tu peux pas. Custom, on l'a fait. Décoration, on est bien. Bah écoute. Là, on finit de ranger et on est bon, hein. Tu sais quoi, je vais acheter juste plein d'étagères histoire d'avoir un magasin qui paraît bien rempli, d'accord? Ok. Et puis on remplit tout et puis je trouve qu'on aura bien géré, hein, non? Carrément. Alors attends,
Qu'est-ce qu'on achèterait pas là? Parce que là, il nous faudrait une étagère. Ça passe une double ici ou pas? Attends, je teste. J'ai un doute. J'ai un doute. Je pense qu'une double ça passe pas. Il faudrait deux simples. Je vais acheter deux simples. Alors, décoration, non. Ah bah voilà. C'est vrai que... Hop, je crois que c'est là. Voilà, deux petites. Boum, ça arrive. Oh la vache, on a gagné tellement de thunes d'un coup. Ouais, 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 là j'ai encaissé plein de gens d'un coup là. Tiens, voilà. 43. Ah ouais, c'était bien. Le tapis, je vais le mettre au milieu, ce sera plus stylé. Barrière. Les barrières, ça va aller cher, je crois. Génial. Non, un peu. Alors attends. Tac. C'est pas des décorations, si c'est ça. Voilà, c'est good. Voilà, et je vais commander du stock si tu veux. Ouais, 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 là il faudrait là. Et je vais mettre une autre là. Et une autre à côté. Ah, faut plus acheter de biscuits rouges, on en a trop. Ah, c'est vrai? Ouais, on a trop de biscuits rouges là, faut plus en acheter. Pas mal. Et ça. Non! Il m'a enfermé dehors! What? Le camion, c'est bon, je vais juste faire le tour. C'est juste qu'il m'a enfermé dehors. Ok, j'achète pas de biscuits rouges. Ah, d'accord. Ouais. Par contre, je sais même plus si j'ai pas commandé déjà une étagère. Bon, dans le doute, je vais commander. Oh, y'a des trucs de fou, c'est quoi les objets les plus chers? Oh, les donuts, les muffins et tout. Ok, là, on manque clairement de stock là. Ils sont pas contents, les gens. Il faut quoi? Pas de biscuits, c'est ça? Pas de biscuits rouges. Ok. Mais le reste, tout le reste, ouais? J'imagine, ouais. Ok, c'est parti, j'ai commandé. Il faut des chips au sel là. Ok, une barrière là. Des biscuits jaunes. De la farine. Ok, ça roule. Voilà, regarde. Petite barrière là, là ça rend bien. Oh, comment il flotte, ouais. Ok, Nexo. Je crois qu'il manque une étagère. Ok. Il faut $50. Surtout du stock avant l'étagère. Oh, non, mais ça arrive, ça arrive. Okay. T'inquiète, le stock arrive. Okay. Ça arrive. Faudrait le remettre en caisse, Gilbert, après. Quand on aura fini. Il va en finir. Oh, avec ouais, les cartons, bah. Vas-y, vas-y, vas-y. Je termine avec les cartons, je te le mets en caisse, d'accord? Ouais. Alors, est-ce qu'on va à prendre et après les peinards? Plus, il est lent, il est lent. Ok, bah c'est bon, tu lui as dit? Ouais. Ok, nickel. Le stock! Yeah! Girl beer! Ça, on va en mettre un paquet. Ok. Voilà! Tranquilo! Oh la thune! C'est bon, je peux recommander l'étagère alors. Nice. Attends, je vais voir si elle est pas dans le stock. Non, donc il l'a, je l'ai pas commandé. Hop. Ça part! Ouais, et après avoir un magasin qui sera parfait, mec! Voilà, c'est ça qui est bon! Ok. Ah là, la poubelle, on peut pas la mettre dans le magasin. On peut en acheter une deuxième, je sais pas pourquoi. Ouais, mais c'est peut-être pour l'avoir plus proche, je sais pas. Oh, mais tout ce qu'on a, regardez notre magasin, comment il est trop stylé, les gens. Oh, là, y a pas mal de stock, on est pas mal. Hein. Faut qu'on récupère juste un truc dans le camion, là. Ok, ça c'est quoi? C'est la lessive. Attends, il bosse plus? Check out. C'est la fin de sa journée. Il dit 9h! Ah, il s'est barré! Non, on est en moins! On est en moins 7. C'est pas grave, c'est pas grave. Yes. L'autre, elle arrive à quelle heure déjà, notre pote? Là, à 19h. Ok, ça roule. Parfait. Ok, j'encaisse, pour pas être dans le négatif. Ok, c'est good. Est-ce qu'elle arrive ou pas? Pas encore. Oh, elle arrive. Ok, voilà, j'encaisse. Okay. 1,56. Voilà. Parfait. Oh, je vais tellement vite, la machine à écrire, mec. Le tu voulais la mettre où, la dernière étagère? Ah oui, là peut-être. À côté du bouton, ouais, c'est ça, exactement. Tout à fait. Mais elle arrive pas? Attends, c'est à 19h qu'elle devait arriver? Ouais. Bah, elle est en retard. Ça commence elle bien. D'accord. Excusez-moi, madame. No problem. Vous avez pas vu? Ok. Bah voilà, on est bien. Oh, let's go! Cette boutique! Et encore le. On a encore des trucs en stock, hein, donc. Hop, nickel. Voilà. Le carton, ça va à la benne. Et bah, je trouve que franchement, notre magasin, les gens, il a de la gueule de fou. Il est vraiment, vraiment trop stylé. On va se faire une dernière commande pour le. Le carton, il vient de. Hey, je m'en vais, je suis libre. Il vient salut de se barrer. Alors, attends, je vais reprendre un dernier truc. On a dit qu'on allait prendre ça. Voilà. Parfait. Et encore un peu de ça. Il y a bien beaucoup de soleil pour 21h là. Ah, ouais, c'est clair, ouais. Ouais, non, mais ça. Regarde ça, quand il vient d'arriver, il y a un petit problème de soleil là, non? Tous les cartons là, au sol là, n'importe quoi. Et bah, les amis, on va les coups s'arrêter là pour notre épicerie. On espère que vous avez kiffé, franchement. Je trouve qu'on a vraiment, vraiment géré. Bah, on a géré, magasin, hein. Donnez une note sur 10, sans déconner. Alors, non, vous occupez pas de la poubelle. Je vais mettre. Si vous devez faire une photo sur Google, je mettrai celle-là, tu vois. Celle-là, elle est vraiment.
Vraiment stylé, je rue, elle allait m'écraser quoi. En tout cas, c'est vraiment trop stylé. Mais c'est pas les amis, à mettre un max de like. Franchement, pour notre magasin, vraiment au top du top. Et dites-nous les amis dans les commentaires, si vous voulez une partie 2, allez, à 1000 likes, on fait une partie 2. Franchement, okay. 1000 likes, 1000 pouces bleus quoi. Franchement, on fera une partie 2 avec grand plaisir sur Grocery Store. Ouais, pardon madame, excusez-moi Natacha. Voilà, et on se dit du coup à très bientôt. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, surtout pour ne pas rater le prochain épisode de l'épicerie avec Fear Jumper et Homer Space. Allez, et ciao. Salut.